Amis modélistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01 et la construction du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre les vidéos sur le décor et de voir plus précisément la construction d'un pont en pâte à modeler. Un petit rappel rapide si certains d'entre vous découvrent le projet Petit Coin de Vallée du Rhône. Nous sommes ici 3-4 km au nord de Terre-Ermitage. Et vous voyez ici le module 4 sur lequel il y a le pont dont nous allons voir un petit peu la construction. Le module 5 étant celui où il y a l'abri avec les arches. Et le module 6 est la courbe pour le départ vers la coulisse. Ce pont est en fait un double pont puisque nous avons un passage routier à voie unique et à côté un passage pour les eaux pluviales. Dans une précédente vidéo intitulée de la réalité au 1/87, je vous avais expliqué comment, à partir de photos, je dessinais mon projet. Nous voyons ici que le tablier du pont routier est plus fin que celui du pont pour les eaux pluviales. J'avais donc décidé de construire le pont en deux parties. J'avais commencé la fabrication et l'habillage en pâte à modeler du premier pont, celui qui franchit la rivière sèche, on va dire. Et j'ai eu un souci au niveau de l'épaisseur du tablier pour installer le deuxième pont à côté, et donc du coup j'ai préféré tout reprendre à zéro. J'ai décidé de construire le pont en un seul morceau. J'ai ici la pièce principale. Et pour réduire l'épaisseur au niveau du tablier du pont routier, j'ai retiré 3 mm sur le plan de roulement des voies. Il faut faire attention parce que c'est quand même bien fragilisé. Et donc, ensuite, ça va se replacer comme ça, puis on va pouvoir repartir sur une nouvelle base. Et bien, les travaux se poursuivent et j'ai terminé la structure principale de ces deux petits ponts. Hein. Et maintenant, je vais commencer l'habillage avec de la pâte à modeler. Et le résultat est quand même largement plus satisfaisant que ce que j'avais fait, où j'avais prévu de faire en deux parties. Pour la réalisation du pont, j'ai donc utilisé du contreplaqué de 5 mm pour le tablier. Les trois pieds sont en contreplaqué de 8 mm, et puis sinon, c'est de l'habillage avec du contreplaqué de 2 mm essentiellement. Quand je vois le module comme ça, je voulais juste vous montrer, vous parler une petite chose, c'est que pour coller la bande isophonique, j'ai utilisé la colle Minitech. Alors ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Son seul petit défaut, je dirais, c'est de rester collante, même une fois sèche. Et du coup, quand on bricole, là, j'ai poncé un petit peu le bois, là, et forcément, toute la sciure est allée se coller dessus. Ça fait pas très propre, mais bon, c'est pas bien grave. Si vous avez vu la fabrication du mur de soutènement, j'utilise la même pâte à modeler de la marque Giotto, et qui sèche à l'air libre. On va à présent commencer l'habillage du pont. Pour étaler la pâte, je vais utiliser des cales faites avec des profilés Evergreen. Ici, c'est du profilé de 2 mm par 1,5 et je l'ai fixé sur la planche avec un petit morceau de scotch.
première face qui était en partie habillée, hein, parce que maintenant il y a plein de finitions, il y a du ponçage, hein, forcément. Donc bon, ça commence à prendre forme, hein, on est loin du résultat final, mais c'est un bon début, on va dire, voilà, par rapport à l'autre face. De part et d'autre du passage routier, il y a des plateformes en béton qui sont asymétriques et celles-ci sont réalisées avec une contreplaqué de 2 mm sur lequel j'ai plié de la pâte à modeler de 1 mm. Et bien voilà où en est le pont. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails de la construction, hein, parce qu'en fait c'est tout simplement une succession de collages de couches de pâte à modeler. Et puis bon, bah, ça vous connaissez le principe. Alors, pour la construction des trois alvéoles que j'ai ici, ce que j'ai fait, c'est que dans du carton, j'ai découpé mon gabarit pour les trois alvéoles. Donc, comme ça, je mettrai ma pâte d'une épaisseur de 1 mm et je positionne ma pièce ici. Et ensuite, dans de la carte plastique, j'ai fait un gabarit. Et donc, une fois que le cadre sera sec, je viendrai positionner mon gabarit pour faire les arrondis. Pour réaliser cette partie-là, je vais étaler de la pâte avec une épaisseur de 1 mm. Bon, j'ai mon gabarit ici, enfin mon épaisseur. Hein. Pourquoi 1 mm? J'évite de descendre en dessous parce que ben, plus c'est fin, plus c'est difficile à tirer et ça s'allonge. Donc 1 mm, ben, c'est très bien. Et puis ensuite, il suffit de poncer pour réduire l'épaisseur. La méthode ne change pas. Hein. Toujours la plastiroc. Je prends un morceau. Toujours pareil, quand j'ai la surface, je mets de la colle. Et quand c'est pour des retouches très fines, je mets de l'eau. Et bien voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. À présent, je vais utiliser mon gabarit que je vais insérer dans le relief. Et puis donc bah, je vais faire mes deux parties arrondies. Alors pour ce faire, je mets un petit peu d'eau. Je prends un peu de pâte à modeler. Bon, je ne sais pas si on voit très bien. Ouais, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc je vais faire la même chose sur les autres.
pour réaliser les petits reliefs que j'ai ici et de l'autre côté, je n'ai pas filmé en temps réel parce que c'est tellement petit que du coup on ne verrait rien, c'est très compliqué de faire et de filmer en même temps. Du coup je vous explique, j'ai collé trois bandes de 1 mm et d'épaisseur et qui faisaient pratiquement 2 mm de large. J'ai laissé un espace entre elles, les bandes étant droites. Une fois que c'était sec, j'ai pris un petit cure-dent comme ça, j'ai coupé à peu près au diamètre que je souhaitais avoir et j'ai mis un petit peu de pâte en bout et après je suis venu faire l'arrondi comme ça. Voilà. Je vous remontre en gros plan, donc je mettais un petit peu de pâte au bout là avec une petite spatule, la même chose en bas, et puis je venais faire mon arrondi de cette manière. Pour pouvoir faciliter le ponçage de zones difficilement accessibles, telles que les creux, là, ben, j'ai réalisé des petits... avec des stylos, hein, j'ai collé du papier de verre de 500, voilà, avec trois formes différentes. Hein. Pour la réalisation des pierres d'angle que l'on a ici, c'est toujours la même méthode, on est toujours avec de la pâte à modeler sur 1 mm d'épaisseur. J'ai réalisé un gabarit, je le pose sur ma pâte à modeler et je viens avec un cutter faire toutes les découpes. Une fois mes pierres découpées, je viens coller sur le côté ici. Puis une fois sec, je viens vérifier que le raccord est bon. Et je ponce pour réduire l'épaisseur et je viens avec une pointe à graver, je vais venir tracer mes différentes pierres. Une chose qui se fait très facilement, c'est de venir casser un peu le béton, faire comme en réalité. Pour la réalisation des descentes d'eau, je vais utiliser du profilé Evergreen. Ici, c'est du 4 mm par 3,2 dans lequel on voit, j'ai enlevé un petit peu d'épaisseur là. Et ça me permet de débiter ces pièces en forme de trapèze, voilà, que je perce pour pouvoir faciliter l'installation des tuyaux. Ensuite, ce petit trapèze a un couvercle. Donc, je le prends dans du profilé Evergreen de 0,25 d'épaisseur en 3,2 de large. Les descentes d'eau, enfin les tuyaux, sont quant à eux faits en profilé rond de 1 mm de diamètre. Pour les fixations au mur, j'utilise du fil de laiton de 3 dixièmes. Et ce que je fais, c'est que pour former la boucle, j'utilise le bout de la queue de rat ici et j'entoure autour pour donner ces petites pièces. Voilà. Concernant les colliers de descente de gouttière, je n'avais besoin que de 4 pièces. Si jamais vous avez besoin d'un plus grand nombre, sachez que Decapod a sorti sous la référence 5961 une plaquette avec 208 colliers. Nous allons mettre en place les 14 renforts que l'on a sous le tablier le plus large. Pour m'aider à la mise en place, j'ai fait ce petit gabarit là. Donc j'ai découpé deux bandes que je positionne de chaque côté
Et comme ça va me permettre d'aligner les bandes. Et voilà, les baguettes sont en place. Une fois sec, je vais peindre en gris clair, référence 28 de chez Embrol en peinture acrylique. Je vais peindre le dessous des tabliers. Ici, je vais peindre avant de mettre les renforts, parce que les renforts sont bleus. Pour la première couche de peinture, j'ai déjà passé tout le pont en gris clair, donc c'est la référence, c'est une acrylique référence 28 de chez Embrol. Cette peinture, je vais la diluer avec de l'eau, et donc je l'étalerai avec une mousse. Alors, tout ce qui est plutôt les petits reliefs, je dirais, et les creux, là, je les fais au pinceau. Hein. Bien voilà, donc la première couche de peinture est mise en place. Donc ça, je cherche pas à avoir une couleur uniforme. Maintenant, je vais mettre en place les poutres métalliques ici, qui seront représentées par du profil evergreen. Comme celui-ci, là, c'est-à-dire du 0,25 par 3,2, que j'ai peint en bleu, pour respecter la couleur non en réalité. Et bien voilà, le pont est terminé avant la patine. J'ajouterai un petit commentaire. Donc, c'est qu'à l'heure actuelle, on dispose d'outils qui nous permettent quand même de faire des travaux beaucoup plus précis, je pense notamment à l'impression 3D, qui m'aurait permis au niveau des petits reliefs d'avoir un travail plus propre, mais je suis globalement satisfait du résultat.